Regardez, vous allez faire comme moi. Précis, un pas en avant. Donc, regardez. Après, vous le ferez après. Remettez-vous en place. Je m'appelle Bernard. Vas-y. Je m'appelle Souïda. Alors, essaie de pas rire. C'est Bernard. Non, non, si, c'est ça. Dis-le bien jusqu'à là. Vas-y, dis-le. Je m'appelle Souïda. Je m'appelle Sydney. Ok. Vas-y. Plus fort. Reprends. Je m'appelle Cécile. Plus fort. Je m'appelle Cécile. Ok, en faisant le pas en avant. Vas-y. Je m'appelle Cécile. Je m'appelle Mayura. Ça m'intéresse parce qu'il y a une revendication de j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est pas un hein, je m'appelle Mayura, voilà. Non, il est là, il tac. Il dit son nom. Je m'appelle comme ça. D'accord? Il y a un problème? Tout le monde est d'accord? Non. C'est vraiment de cet ordre-là, d'accord? Je m'appelle Margot. Je m'appelle Anouk. Je m'appelle Clara. Je m'appelle Bernard. On continue. Je m'appelle Souïda. Dites-le bien fort. Allez-y, vas-y, continue. Je m'appelle Sydney. Je m'appelle Cécile. Plus fort. Je m'appelle Cécile. Voilà. Je m'appelle Mayura. Je m'appelle Damien. Je m'appelle Giovanni. Je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Tom. Je m'appelle Ambroise. Je m'appelle Lucas. Je m'appelle Samy. Je m'appelle Constance. Je m'appelle Vincent. Je m'appelle Dominique. Je m'appelle Anne-Sophie. Je m'appelle Margot. Je m'appelle Anouk. Je m'appelle Bernard. Je m'appelle Bleu. Bleu quand tu la reçois, voilà. Dépêche-toi. Bleu. 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 Plus fort. Bleu. Parce que tu comprends, si tu lui dis pas fort, lui, ça trouve, il n'aura pas compris que tu l'as reçu. Donc tu vois, il t'envoie bleu, tu dis bleu. Comme bleu. Comme si tu disais d'accord. Pousser au niveau du ventre pour que ça parle plus fort. Bleu. Bleu. Plus bleu. Fort. Voilà. Bleu. 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 Très bien. Quand vous avez reçu une balle, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous en débarrasser. La deuxième chose, c'est que quand vous n'avez pas de balle, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en recevoir une. Rouge. Quand vous n'en avez pas, cherchez vite. Rouge. Où est la bleue? Où est la bleue? Rouge. Où est la bleue? C'est moi qui l'ai. Alors, vas-y. C'est comme le théâtre, vous avez besoin de votre collègue. Ça ne peut pas marcher, par exemple, ce que tu viens de faire. Je reçois la bleue, par exemple. Je reçois une bleue. Bleu. Bleu. À qui je l'ai envoyé? À personne. À personne. Dans le théâtre, il faut mentir effrontément. Ah bon, cool. C'est-à-dire, si je dis, si je dis qui a la bleue et que qui la violette, l'invité, moi, même si c'est complètement faux. L'important, c'est qu'il soit sûr de lui. Dans le théâtre, c'est ça. Le théâtre, on fait du vrai faux. Hein. Donc, qui a la bleue? C'est toi qui a la bleue. Reste concentré, sinon tu arriveras à rien. Noir. Allez, où sont les couleurs? Noir. C'est moi qui ai la bleue. Eh ben, vas-y, on voit là. Rouge. Bleu. Noir. Rouge. Noir. Rouge. Bleu. Rouge. 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 Ok. Rouge. Bravo, on peut s'applaudir. Bon travail. Parce que c'est pas rien comme exercice, mine de rien. Cet exercice, il est intéressant. Pourquoi? Parce que d'abord, la première chose, c'est qu'il faut être précis dans le message. Quand vous allez être en théâtre, si jamais vous faites du théâtre, que vous jouez une pièce dramatique, qu'à un moment donné, vous allez devoir dire à quelqu'un « je t'aime », le personnage « je t'aime », si vous dites à quelqu'un, par exemple, je vais lui dire, si je lui dis « je t'aime », s'il vous plaît, si je lui dis « je t'aime » et que je lui dis comme ça, « je t'aime », je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'autre, elle ne le reçoit pas. Si vous le regardez dans les yeux et vous lui dites « je t'aime », là, il y a quelque chose qui se passe. Ça va lui faire plaisir, peut-être, ça va la mettre en colère, peut-être, elle ne sera pas d'accord, mais en fait, ça se passera quelque chose. Oh ! Mais on est où, là ? Ça, ça ne va pas être possible, on ne va pas pouvoir travailler comme ça. Je ne vais pas venir ici avec un surveillant ou un flic qui va être là à taper sur la tête de ceux qui parlent d'autres choses et qui font les imbéciles. Bon, on va faire le même exercice, sauf qu'on va mettre des phrases. Refaites le cercle. Alors, une phrase avec un sujet, un verbe et un complément. J'aime les frites. 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 Ok, tu gardes tes frites. Une autre phrase.
même genre. Je suis beau, d'accord. Mais une troisième. Je m'appelle Choco. Non. C'est pas je suis belle, hein, c'est je suis belle. Une action, une action. J'aime les frites, je vais au cinéma. Pardon. Je cours le marathon. J'aime les frites, j'aime les frites. Je cours le marathon. J'aime les frites, le marathon. Hop, j'en enlève un. Continuez. Bon. Merci pour votre travail. Merci. Et à l'année. Bon après-midi.